Sur recommandation de la DGAC, 10% des vols ont été annulés aujourd'hui à l'aéroport d'Orly. Pas de quoi perturber les voyageurs. Et je viens de Cherbourg. À Cherbourg, il y a beaucoup de neige et à Paris, il y a beaucoup de froid. Alors, je vais au pays des oranges et des dattes et je vais apprécier la situation. Quelques retards et annulations cependant, notamment un vol pour Washington et un pour Tunis. Je vais à Tunis. Normalement, on doit prendre l'avion de 8h45. Et en arrivant ici, elle est annulée. Remplacée par 14h55. Il y a 20 degrés aujourd'hui en Tunisie. Ah, et la neige, il n'y a que Tunisien qui ne peut pas rouler sur la neige, apparemment. Non, mais je sais pas, il n'y a pas d'explication. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il est annulé à cause de la neige. Sauf que quand je vois le tableau des départs, les seuls vols qui sont annulés, c'est le vol de Tunis et un autre vol pour New York. Si à l'heure actuelle les pistes sont dégagées, attention toutefois, Météo France ne prévoit pas un retour à des températures positives avant la semaine prochaine. Alors un petit conseil avant de prendre votre vol, consultez votre compagnie aérienne.